Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Vidéo vide-grenier, comme vous avez pu le voir sur la vignette. Donc, ce lundi 15 août, il y a eu une brocante dans la ville de Guise. Alors, c'est une ville qui se trouve à une demi-heure de la mienne. C'est toujours dans le département de l'Aisne, région Hauts-de-France. Donc, j'ai été faire un petit tour dans l'espoir de trouver peut-être quelque chose. Et j'ai trouvé quelque chose, mais avant de vous faire un petit peu le topo de ma balade, eh bien je vous dis place aux images.
Allez, maintenant, c'est le moment de faire le topo de cette brocante. Alors, pour être très simple et très rapide avec vous, voilà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé plus. Il y avait, comme vous avez pu voir, des jeux vidéo, des jouets et autres. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je retrouve toujours les mêmes. Et ils sont un petit peu au courant du marché du jeu vidéo, du rétro gaming. Et il faut dire que les tarifs sont quand même plutôt élevés. On s'approche vraiment à très peu de choses des prix qu'on peut trouver sur Internet. Donc, ça n'a pas été pour moi quelque chose d'incroyable. Je n'ai rien trouvé, je me suis baladé. Mais je n'ai rien trouvé vraiment d'intéressant. Surtout qu'à chaque fois, je pars avec un budget. Et là, mon budget était de 50 euros. En plus, c'est quand même de l'occasion, donc payer quand même plein pot dans une ville éloignée pour ramener quelque chose qui peut-être éventuellement ne fonctionne pas. Bon, pour ça, je préfère, quitte à acheter des petits jeux pas trop chers, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, bah tant pis, mais j'aurais pas dépensé énormément. Allez, on va quand même regarder ce que j'ai trouvé. J'en ai eu pour 4,50 euros. Voilà, et il s'agit, je l'ouvre devant vous, la personne l'a bien refermé, elle a même fait elle-même les petites pochettes, et je me suis pris des cartes Pokémon. Allez, on se les regarde. Voilà, donc les fameuses cartes Pokémon que j'ai eues pour 4,50 €. Alors je me suis pris un gros doudou. Alors, je l'ai trouvé plutôt sympathique avec ce modèle en pelote de laine, en tricoté. Donc, je l'ai trouvé plutôt joli, plutôt sympa. Un Reptincelle. Voilà. Il est tout beau, il est tout mimi. J'espère que je ne l'ai pas. Maintenant que je regarde, là, c'est Pokémon Go. Vous allez voir, je me suis pris des doubles. Idiot comme je suis. Un Marakashi. Alors, je ne sais pas si... Son attaque, c'est dans la colle. Mais alors, je vous laisse deviner le jeu de mots que j'ai voulu faire. Un petit Marakashi dans la colle. Il est plutôt joli. Alors lui, je l'ai trouvé plutôt mignon, là, en train de ronfler. Un Mateloutre qui l'a mis. Bon, voilà. En fait, je les ai pris parce qu'ils sont beaux. Bon, forcément, un Pikachu. Hein. Voilà. Bon, celui-là, je sais que je ne l'ai pas. Ah, on a vu la suite. Il n'est pas brillant, mais un petit Pikachu, c'est obligé. Un trio piqueur. Alors ça, ils ont une drôle de forme quand même, c'est Pokémon. Un petit trio piqueur. Oula, bon. Ça fait toujours ça de plus dans ma collection. Un Rom Ramboum. Alors la personne qui vendait les cartes, c'est pas son préféré. Bon, moi, je le trouve rigolo. Hein. Puis ça fait partie de ces Pokémon que j'ai capturé je sais pas combien de fois avec le Pokémon Go. Donc je le connais un peu celui-là. Un Caninos, alors avec un petit effet là sur la carte, plutôt sympathique. Un petit Caninos, regardez-moi le, hein, c'est pas mimi ça. Je me suis pris un, pareil, lui j'ai trouvé vraiment, il a une bonne bouille, pour ça que je l'ai pris, donc un musté flotte. Alors, pourquoi me demandez pas si c'est le meilleur du monde ou pas, moi je le prends parce que je l'ai trouvé sympathique. Un passe rouge, oh. Par chez moi c'est plutôt les rouges gorges, mais là un petit passe rouge, voilà, pas un passe montagne, hein. Non, un passe rouge. Un feuille à joues, voilà, bon, après vous allez me dire, oui mais c'est des petits Pokémon, ça vaut pas grand chose, moi je m'en fous, je prends parce que j'ai trouvé mignon. Un Emolga. Alors, je les ai pas pris parce que le nom était facile à dire. Non, je les ai pris parce que je les trouvais plutôt chouettes. Un Emolga. Et enfin, un Chenipan. Alors, ça, c'est pareil. Combien de fois j'en ai pu capturer dans Pokémon Go? Voilà, à propos. Voilà pour les cartes Pokémon que je me suis procurées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13 pour... 4,50 €. Dans un paquet, il y en a 10.
Et il n'y a pas que des Pokémon, donc pour le prix, bah, je trouve que ça vaut le coup. Voilà pour le compte-rendu plutôt rapide de mes trouvailles en brocante. Alors, il y a des fois, je reviens avec beaucoup de choses, et puis d'autres fois, bon, bah, je me suis dit, je vais quand même repartir de la brocante avec un petit truc, donc j'ai pris des cartes. J'espère très sincèrement que pour les prochaines brocantes... Ah, c'est la campagne! J'espère très sincèrement que pour les prochaines brocantes, je trouverai quand même un petit peu plus de choses. Voilà. Même le coq, il est d'accord. Allez, je vous dis donc... Oula, c'est la table. C'est pas, il n'y a pas de tremblement de terre. Hein. Non, non, c'est ma table. J'ai tape dessus. Allez, je vous dis donc, tout simplement, si vous avez aimé ma vidéo, il y a le pouce bleu. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous avez découvert ma chaîne et en voir plus, et ben, il y a l'abonnement. D'ailleurs, il faudrait peut-être que le coq s'abonne, hein, ça serait bien, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu s'abonner à ma chaîne. Lui non plus. D'ailleurs, il me le dit là. Vous avez aussi la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Voilà, que dire de plus, et ben, vous pouvez partager ma vidéo. Il n'y a pas de problème. Allez, quant à moi, je vous dis à très vite, à bientôt, pour toute autre chose. Encore dans un autre domaine. Allez, salut, salut tout le monde. Et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir. Il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y. N'aie pas peur. Clique.